Bonjour à toutes et à tous. Deuxième partie de notre vidéo en Bretagne. Donc là, nous quittons le cap Fréhel et nous allons en direction de Binic. Concernant le temps, bah vous voyez, c'est très nuageux. Température 20 et quelques degrés, 22, 23 degrés. Mais c'est très bien qu'il ne pleut pas. Et là, nous arrivons donc sur le port de Binic. La voilà, l'aire communale de Binic. C'est une aire, c'est pas cher, c'est 5 euros. Simplement, les emplacements pour les camping-cars font 3 mètres, pas plus. C'est-à-dire qu'on est serré, véritablement très serré. On est un peu, vous savez, à l'image de ces bateaux. Voilà, complètement collés les uns contre les autres, comme des sardines. Et cette aire est à environ 1 km du port. Donc, bon, voilà, comprend qui veut, on a pas trop envie d'avoir des camping-cars par ici. Nous sommes restés la journée, avons passé la nuit, tranquille d'ailleurs, et nous sommes repartis donc le lendemain matin, toujours vers le sud de la Bretagne. On vient de quitter Binic et là on va sur l'aire de, ça s'appelle comment? La Palue. La Palue, d'accord. Et là je sais pas, c'est Kitoski. Et à droite, il y a la mer. Et il fait beau aujourd'hui. Et il fait beau. Nous n'avons pas roulé très très longtemps, on était très près de la zone qu'on nous avait indiquée. Donc on a discuté avec des camping-caristes qui en revenaient, eux. Donc on va rouler une petite demi-heure et on va aller sur une autre aire gratuite, paraît-il. Et très bien. Nous voici arrivés à présent sur l'aire du Palu. C'est une aire qui est gratuite et qui est à environ 200 mètres de la plage. Alors très vite, en arrivant ici, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une guerre qui se faisait avec deux Parisiens qui sont arrivés ici, qui ont acheté et qui veulent tout changer. Voilà, ces gens sont une véritable nuisance. Ils usent soit de leur pouvoir, soit de tout un tas de choses, et n'ont absolument aucune notion d'un village qui fonctionnait pendant des années, et d'un seul coup va perdre tout son éclat, perdre tous ses commerces, tout ça pour leur plus grand plaisir, pour 2 mois dans l'année. Et à marée basse, vous voyez là, cette grande plage, il y avait pas mal de monde malgré le climat, le temps est quand même assez frais, je vais dire, ici.
Et là, on voit sur la droite, là, l'une des maisons, marron, là. C'est une des maisons qui a été bâtie par ces fameux Parisiens du 77, qui n'est absolument pas dans le style régional, bien évidemment. Et ben là, il y a l'un d'eux qui est passé, du reste, et qui a appelé les gendarmes. Bien évidemment, les gendarmes ont circulé dans le sans rien dire, puisque de toute façon, il n'était là que parce qu'il avait fait sa demande. Et vous voyez ce que ça donne avec un petit rayon de soleil ? C'est génial. À marée haute, je suis allé à la pêche avec le jeune d'un voisin camping-cariste. Mais vous voyez, d'autres ont du matériel beaucoup plus conséquent. Et nous partons à présent pour Ploumanac en faisant une halte à Tréguier, la ville d'Ernest Renan. Et nous voilà arrivés à Ploumanac. Là, nous nous sommes arrêtés sur l'aire de camping-car qui est juste à côté. Il n'y en a pas 50. Alors c'est voilà, on a 4 mètres guère plus. On peut pas sortir les stores de toute façon. Pas d'eau. Enfin, pas d'eau. Si, mais elle coule à petits filets. Pas d'électricité. Et c'est malgré tout 12 euros par jour. Et bah vous voyez, le temps toujours le même. On a des 20 degrés, 21 degrés, pas plus. Nous avons déjà eu l'occasion de faire une vidéo sur Ploumanac. En fait, je venais ici parce que y a un ami de longue date qui réside ici et on voulait le voir impérativement, bien sûr. Donc nous sommes restés chez eux le soir, avons dormi dans le camping-car et nous sommes repartis le lendemain matin. Bien sûr, nous en avons profité pour faire quelques emplettes, des produits régionaux, bien évidemment. Et après avoir fait les pleins, vidé les caissettes, nous voilà repartis. Alors bien sûr, notre voyage là est de longer la côte tout en redescendant par chez nous. Alors que dire du temps de la Bretagne jusque-là ? En fait, les températures naviguaient entre 10 degrés quelquefois le matin et dans l'après-midi, on était dans les 22-23 au maximum, les beaux jours je dirais. Bon, c'est pas grave, ça permet de ne pas utiliser la climatisation et franchement c'est super agréable.
La prochaine vidéo sera plus basée sur la partie technique, l'autonomie de notre camping-car. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que la circulation, c'est très fluide, franchement. Sauf quand il y a des travaux, parfois, ça bloquait bien. Là, c'était un pont qui était en travaux et ça bloquait tout. Il y a un pont à traverser. Et ouais, 9 minutes d'embouteillage quand même. Là-bas, je m'irai peut-être. La majorité du temps, nous prenions des routes qui longent la côte. C'est beaucoup plus agréable. Alors nous nous sommes arrêtés là, vers Keramezou. Il y a une plage et une aire, je dirais. Pour les camping-cars, on peut s'y arrêter. Je suis pas sûr qu'on puisse rester la nuit, loin de là même. Mais regardez le cadre, tellement agréable pour manger un morceau, profiter, reposer. Notre poupette a mangé, elle a bu elle aussi, et nous sommes... heureux qu'elle puisse profiter, elle aussi, de tout ça. Ensuite, nous sommes repartis et il nous a fallu suivre ce tracteur pendant 7 ou 8 minutes, facilement. Mais bon, on a profité du paysage. Chose incroyable, il y avait quasiment personne sur les routes. De temps en temps, nous croisions un camping-car. Mais franchement, voilà, pas trop de touristes et ça, c'est génial. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que tous les 4-5 km, il y a une aire comme ça où on peut poser les camping-cars, rester là pour la journée et profiter bien évidemment des plages alentour. Et là, véritablement, la chance nous a souri. Nous arrivons sur Plouganou. Et nous nous sommes arrêtés à l'aire de Saint-Jean-du-Doigt. Là, je recommande. L'aire est toute propre. On a l'impression qu'elle est toute neuve. C'est la palme d'or. L'aire est gratuite pour un maximum de 48 heures. Et pour ceux qui veulent charger en eau, c'est 4 euros 10 minutes. Et ceux qui ont besoin d'électricité, c'est pareil, c'est 4 euros pour une heure. Vous allez voir la qualité du village. Il est fleuri, super propre, très agréable. Franchement, la mairie et les habitants, très probablement, font tout ce qu'ils peuvent pour que ce soit un village le plus agréable possible.
l'envoyer quand nous visitons Cap Ça, pour éviter de fatiguer Poupette. On la met dans le sac à dos prévu à cet effet. Le village n'est pas très grand, le vieux village n'est pas très grand, mais voilà, il y a toute une histoire. C'est une architecture qui est relativement ancienne, qui date entre le 12e et le 14e siècle. Et bon, évidemment, il y a plein de légendes, plein de choses comme ça. Mais regardez cette architecture. Alors bien évidemment, après les visites, nous avons aussi mangé au restaurant un peu plus loin, juste en face. Et nous sommes aussi passés du côté du terrain de camping et regardez là. Là, je peux vous dire que véritablement, ça sentait bon. Donc tout est fait maison, sur place. Et quel parfum! C'est tout ce qu'il faut pour que ça tienne au corps. Ah là oui, une bonne dose de beurre. Nous allons terminer la journée ainsi que la vidéo là-dessus en dégustant les galettes saucisses avec évidemment du cidre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, bien évidemment, et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt! Attention les doigts!